J'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Désolée si le montage et le décor n'est pas identique. Mais je suis seule à la maison aujourd'hui. Mais je tenais absolument à vous faire cette vidéo. Donc oui, voilà, j'ai pas mon chéri qui peut venir. Je suis désolée. Qui peut venir me filer un petit coup de main pour tourner cette vidéo. Parce qu'en fait, je vous raconte un peu le topo. J'ai reçu très très en retard ce mois-ci. J'ai reçu très très en retard ce mois-ci ma box Axebo que je reçois tous les mois. Je la reçois tous les mois et en fait ils ont eu des soucis au niveau de pour les envoyer. D'après ce que j'ai compris, il y a eu une inondation, enfin un dégât des eaux, j'ai pas très bien compris, qui a fait que ça a endommagé certains paquets, donc ça a pris du retard. Puis plus l'ascension, tout ça a posé problème. Donc voilà, donc je vais l'ouvrir avec vous. Donc il y a toujours le papier noir à l'intérieur, bien qu'il y ait aussi du papier vert, un très très joli vert d'après ce que je viens de voir. Et je regarde ici sur le côté, il y a un petit truc qu'il n'y a pas d'habitude. Oh bah tiens, un petit carnet, voilà, un très très joli carnet. Alors j'avais déjà vu la vidéo de Monia, de Ninette Double Page, qui avait aussi reçu un petit carnet comme ça. Je ne m'attendais pas à la recevoir, étant donné qu'elle, je crois que c'était, que c'est plutôt famille. Je crois qu'elle a fait au niveau de sa sélection, au niveau de sa box. Donc moi, étant donné que c'est plus jeunesse, roman, etc., je pensais pas que ce goodies là serait propre à toutes les boxes. Donc il y a un petit truc pour marquer la page en tissu. Et sinon il y a des lignes avec marqué en bas for you. Donc c'est très très joli. J'aime beaucoup ces petits motifs fleuris. Je suis très très contente au niveau goodies. D'habitude je suis un peu déçue. Mais là je suis vraiment très très contente. Ça se voit peut-être pas parce que bon, je suis un peu stressée de faire cette vidéo toute seule. Mais oui, je suis très très contente. Je sais pas encore ce que je marquerai dedans. Peut-être mes nouvelles vidéos, mes nouveaux projets de vidéos. Bien que le trois quarts du temps, je les mets sur mon téléphone. Donc je verrai bien. Et je vous dirai ça. Donc, on va découvrir. Désolée pour le bruit. On va découvrir ensemble que cache ce beau paquet. Alors, il n'y a pas le pochon habituel en papier craft. Je crois que c'est du craft. Il n'y a pas le petit pochon habituel. Là, à la place, il y a un pochon en tissu. Je vous le montrerai après. Mais là, il y a des beaux petits marque-pages. Une pensée pour vous, Juline, avec ce petit marque-page papillon. Nous espérons que votre box vous comble de bonheur. À bientôt, Christelle. Elle a écrit elle-même ce petit mot. Donc, my heart flutters with love. Flutters with love. Enfin bref, c'est un petit marque-page comme ça, avec un petit papillon. J'adore les papillons. Mes tatouages dans mon dos sont des papillons. Enfin, il y en a beaucoup. Donc, il y a celui-là. Et il y a fly to you. Donc, bookmark. Donc, ça doit être aussi un petit marque-page comme ça en plastique. C'est très original, ma foi. C'est la première fois que je vois ça. Et avec une petite main, c'est une petite main, le petit truc en plastique, enfin le petit bout en plastique. Désolée pour le cadrage. Je suis vraiment un peu larguée aujourd'hui. Comme j'ai pas mon chéri qui est aussi mon assistant caméra, c'est un peu dur. Donc au fond, il y a toujours les petits flyers habituels. Les petits flyers habituels. Alors attendez, il est marqué ceci est un marque-ligne. D'accord, tu peux colorier la grande image sur la couverture de ton journal et lire les informations à propos des livres avec tes parents. Maintenant, attends de trouver ci-dessous les mots de l'univers des livres. Ah oui, c'est pour les livres un peu plus jeunesse. Je pense que c'est quelque chose qui s'adresse aux enfants. Alors, attendez. J'ai mon petit pochon en plastique. Oula!
il est assez lourd. Ça doit être... La plupart des livres doivent être en grand format. Alors, attendez. J'ai une chaise à côté de moi, donc je vais en profiter. Mais, désolée de voir mon épaule à chaque fois. J'ai un haut assez ample et assez confortable vu que je suis à la maison, donc j'en ai profité. Hein. Waouh, 4 livres, dont 2, voire 3 grands formats. Enfin, je sais pas, vous me direz pour l'autre, mais... Donc, et je sors déjà du petit pochon. Je vous le montrerai après, le petit pochon en tissu. Donc, édition Les Romans Bleus, Emmanuel Petit, Les Silences d'Honorine. Ah non, ça doit être la collection Les Romans Bleus, parce que l'édition, c'est Gulfstream Éditeur. Je ne connais pas du tout, je découvre. Donc, je regarde derrière, c'est un roman qui... un petit livre qui coûte 7,25€. Et le prix qui s'affiche derrière. Donc, c'est un tout petit livre qui est assez sympa au niveau de la couverture. Je suis très curieuse parce que je ne connais pas du tout. Alors, le deuxième qui est plus grand, celui-ci. Tourmente au Vatican, Mort pour le Graal, de Pierre Bru. Donc, c'est le tome 2, Les deux encres. J'avais, si mes souvenirs sont exacts, reçu le tome 1 dans leur box. Donc là, cette fois-ci, j'ai la suite et c'est super. Je ne sais plus si vous vous souvenez, dans une de leurs box, j'avais reçu Peter et la poussière d'étoiles, quelque chose comme ça. Et là, apparemment, j'ai reçu le tome 2, Peter et le voleur. Donc, merci franchement à Xebo d'avoir pensé à moi d'acheter la suite. Donc, c'est vraiment super. À moins que ce soit l'inverse, à moins que... Je ne sais plus dans quelle ordre se lisent les tomes, si quelqu'un le sait. Qu'il me fasse signe, mais je sais que ça fait partie de la même saga, ou je sais pas si c'est une saga ou une trilogie. Donc voilà. Et donc pour finir, un deuxième grand format que je vais essayer de sortir sans trop l'abîmer. Donc, comment je cuisine mon père, ma mère est heureuse. Comment j'ai cuisiné mon père, ma mère et retrouvé l'amour. Mirobol édition de S.G. Brown. C'est un titre de livre très très glauque. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Mais ça m'intrigue toutefois. Donc je vais, je pense, le lire dans pas très longtemps. Bien que ce ne sera pas dans la pile à lire que j'ai prévue, la pâle anti-stress, anti-déprime, anti-tout ça, ce dont je vous ai parlé dans ma précédente vidéo, je ne pense pas que lire un livre de ce style soit très très joyeux, mais j'essaierai de voir. Alors attendez, je vais vous lire le résumé. Si vous ne vous êtes jamais réveillé après un accident de voiture pour découvrir que vous êtes un cadavre animé en putréfaction, alors vous ne pouvez pas comprendre. Alors déjà, ça commence bien, donc c'est ce qui est marqué tout en haut. Alors, Andy vit en paria depuis sa résurrection spontanée après un accident de voiture. Ce nouveau zombie n'a pour morne horizon que le cellier familial où il cuve les grands creux de son père et ses réunions mensuelles aux morts-vivants anonymes. Mais lorsqu'un confrère l'initie au bienfait régénérateur de la chair humaine, Andy décide de lutter contre ses droits civiques. Débute alors un voyage improbable qui le mènera de la morgue au plateau d'Oprah Winfrey. Oprah Winfrey. Oh mon Dieu, c'est quoi ce livre? Oprah Winfrey, en passant par des séjours à la SPA, reconvertie dans l'accueil de zombies fugueurs. Sombrement drôle, étrangement touchante et plutôt saignante, l'odyssée du premier mort-vivant contestataire de l'histoire vous fera probablement mourir de rire. Mais auparavant, vous devrez savoir faire connaissance avec tous les amis d'Andy, une petite merveille d'humour et d'horreur. Donc là, j'ai un commentaire certainement d'un éditeur ou d'un magazine qui dit « La littérature zombie, nouvelle vague, cet équilibre parfait entre histoire d'amour, détails gore et situation gaguesque. »
comblera les fans de George Romero et Shaun of the Dead, signé Booklist. Bah, je m'attendais à un thriller, un polar, quelque chose comme ça, parce que j'ai cuisiné mon père et ma mère. Du coup, je me suis dit, c'est quoi, c'est un tueur en série? C'est un psychopathe? C'est quoi? Bah là, c'est un zombie, donc what? Ok, pourquoi pas. Je sais que j'ai offert à Madeleine Zombie Don't Cry, si mes souvenirs sont exacts. Parce que je me suis dit pourquoi pas, elle aimera peut-être. Moi, je suis pas zombie à la base, mais je suis Nin. Donc, je sais plus si sa chaîne, si c'est les lectures de Nin ou Nin Gorman. Je crois que c'est Nin Gorman, mais je suis pas sûre. Et ben, je sais qu'elle est accro aux zombies. Enfin, en tout cas, qu'elle adore ça. Donc j'hésite à m'y mettre, mais là je vais devoir, parce que ce roman m'intrigue franchement beaucoup. Un zombie contestataire, vous avez déjà vu ça, vous? Je crois pas. Donc le petit pochon, voilà. C'est un tout petit pochon tout simple. Et à mon avis, je m'en servirai pour soit protéger mes livres ou je sais pas. Donc c'est certifié en coton, donc c'est, il y a un petit label sur l'étiquette. Donc voilà, je vais essayer de voir si j'ai rien oublié, parce qu'on ne sait jamais. Non, j'ai rien oublié. Ben voilà, je suis désolée pour cette vidéo assez mal cadrée et assez brouillon, mais voilà, c'est faute de mieux. J'avais vraiment envie de vous la tourner aujourd'hui, parce qu'en plus j'ai une lecture commune avec Sarah de My Lean Books, et je voulais franchement avancer dans ma lecture, donc la réception de cette box tombait mal ou bien, enfin bien dans le sens où je l'attendais avec impatience. D'ailleurs, je commençais à me demander si je n'avais pas fait une erreur et pas renouvelé mon abonnement. Je me suis dit oula. Donc voilà, donc mais elle tombe bien dans le sens où effectivement je l'attendais avec impatience, et je suis franchement très très surprise et très agréablement surprise, surtout pour les goodies. Ils ont fait un effort et c'est vraiment super. Je remercie Christelle, franchement chaleureusement, pour son petit mot dans son marque-page pour les goodies, le petit carnet. Moi j'adore tout ce qui est carnet, même si j'écris pas forcément dedans. Je suis un peu comme Adeline par rapport à ça. C'est super. Bah voilà, je suis très très contente. Je vais finir comme ça cette vidéo un peu brouillon, je suis désolée. Voilà, je vous fais à toutes et à tous d'énormes bisous. Je vais pas vous dire lisez beaucoup, parce que je vais devoir changer de phrase de fin de vidéo. Je vais devoir changer de phrase de fin, je vous expliquerai tout ça plus tard. Mais en gros, Angie du Livroscope utilise la même dans ses articles sur son blog. Et vu qu'elle s'est mise aux vidéos, elle a décidé de la réutiliser, sa phrase. Et moi, je ne le savais pas. Parce que je ne suis pas sur son blog, mais je suis ses vidéos assidûment maintenant. Sachant en ce moment, en plus, enfin, sachant notamment plutôt que c'est une amie à Clélia de Brody Book. Brody Books. Bref. Sachant que c'est sa grande amie, je me suis dit, je vais la suivre quand même. Elle s'est mise aux vidéos, donc voilà, sachant qu'en plus en ce moment je suis plus vidéo que blog. Et donc j'ai vu hier ou avant-hier, je sais plus, sur sa dernière vidéo, qu'elle utilisait cette même phrase de fin. Donc je sais pas quoi dire à la fin. Mais bon, bref, je vais arrêter de blablater. En attendant, je vous fais à toutes et à tous d'énormes bisous. Et je vous souhaite à tous de bonnes lectures. Cependant, un bon week-end. Sachant qu'en plus lundi c'est férié, donc certains d'entre vous doivent être super contents. Je vous fais à toutes et à tous d'énormes bisous, plein de bonnes lectures, à très très vite, ciao!